Bonjour. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui grandissent? Je renouvelle mon appel urgent pour répondre à la crise écologique. Le cri de la terre et le cri des pauvres ne peuvent plus attendre. Prenons soin de la création, un don de notre Dieu le Créateur. C'était la déclaration de François le 3 mars 2020. Cette interpellation du pape François résonne en moi et motive les actions que nous menons à l'association Partage à Sainte-Geneviève-des-Bois dans notre groupe Église verte. Nous avons démarré notre réflexion avec la mise en place du label en 2018. Le diagnostic que nous avons alors réalisé pour la mise en place de ce label nous a permis de lister tout ce que nous pourrions faire pour atteindre le niveau le plus élevé de la certification. Nous avons alors listé une vingtaine d'actions possibles à réaliser sur notre lieu. Deux exemples. Nous avons fait le choix de changer de fournisseur d'électricité. Cette décision, prise en assemblée générale, nous a permis que l'électricité que nous consommons au Pont-de-Pierre serait fournie par Enercoop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, et de plus, Enercoop a un statut de coopérative. Ce qui correspond mieux à nos valeurs, la majorité des bénéfices étant réinvestis dans le développement des énergies renouvelables. Et les clients qui le souhaitent peuvent devenir sociétaires. Deuxième exemple, en janvier 2020, un groupe intergénérationnel de 16 personnes s'est retrouvé pour cuisiner. Le but était de faire de la bonne cuisine, saine et pas chère, avec des produits locaux, de saison et bio. Ce fut aussi un temps de convivialité et d'échange. Lors de nos rencontres, les temps d'échange sont aussi importants que l'activité en elle-même. Ensemble, nous jardinons, nous bricolons, nous cuisinons, nous partageons des repas, nous nous posons des questions sur la nature et essayons de moins polluer. Nous voulons protéger l'environnement en menant des actions concrètes. Ensemble, nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique, nécessaire à la survie de l'humanité.